C'est la récréation à l'école maternelle Lamartine. Rien d'extraordinaire pour les enfants, sauf pour 7 d'entre eux qui sont autistes. 7 petits garçons de 3 et 4 ans. De retour en classe, ils sont encadrés par une enseignante spécialisée et 4 éducatrices. Qui fait le loup ? Pour chaque enfant, un projet scolaire personnalisé qui doit leur permettre d'intégrer d'autres classes. Donc pour l'instant, on les prépare. On va les aider à mieux comprendre l'école maternelle, à développer des outils de communication, déjà parce que ce sont des enfants qui ne parlent pas. Donc on développe des outils de communication alternatifs, le signe, l'image, etc. Et puis on les aide aussi dès que c'est possible. Et là déjà, on a commencé à rejoindre de temps en temps déjà une classe ordinaire. Alors bien entendu, ils sont accompagnés par une éducatrice, par l'enseignante. Cette classe expérimentale est une première dans l'Académie de Lyon. L'enseignement particulier repose sur le travail d'une équipe pluridisciplinaire. Je crois que c'est un vrai travail partenarial. Au-delà de la mairie, il a fallu effectivement trouver une équipe enseignante qui était volontaire. Donc c'est aussi une équipe qui s'agrandit avec des éducateurs, avec une orthophoniste, avec un pédopsychiatre qui suit aussi l'équipe. Coût de ce projet pédagogique, 280 000 euros, entièrement financé par l'ARS. Une évaluation du dispositif est prévue à la fin de l'année scolaire. Il est l'heure de se quitter.